Bref, c'était le grand jour. J'avais tout pour gagner. Gourde, lampe frontale, camelback, power bar, gel, sifflet, boussole, trousse de secours, spray, corde, mousqueton, chambre à air, chaîne, t-shirt technique, bâton télescopique, couverture de survie, pied de biche, ceinture Royston & Ducks. J'avais tout, sauf mes clés. C'est là que j'ai pris conscience que j'avais fermé la porte avec les clés à l'intérieur. Heureusement, j'avais prévu le pied de biche. J'ai forcé ma propre voiture. Des gens me regardaient. Je les ai regardés, ils m'ont regardé, je les ai regardés, il a sorti son téléphone, je suis parti en courant. Du coup, j'ai commencé le raid plutôt que prévu. J'ai pédalé, feu rouge, j'ai freiné, une auto 2 s'est arrêtée. Eh, hey, tu connais pas l'autopartage ? L'auto ? Partage ? L'autopartage ? L'autopartage, ouais ! Non, je connais pas. Bref, j'aurais bien aimé connaître l'autopartage. 10 km plus tard, je suis enfin arrivé. C'est bon mec ? Prêt pour l'échauffement ? Comme j'étais déjà chaud, je me suis dit que j'avais pas besoin de m'échauffer. Mais comme la dernière fois, je lui ai dit... C'est bon, je suis chaud. Il m'a dit... Tu t'échauffes. Alors cette fois-ci, je lui ai répondu... Ok, allez, on y va. Là, j'étais chaud. Très chaud. On a couru, j'ai sauté, je suis tombé. On a doublé les filles, j'étais fier. On a fait du VTT, il a déraillé. Oh, fais chier, putain, pas maintenant ! J'ai rigolé, j'ai crevé. Et bien sûr, à ce moment-là, elles sont passées. T'as besoin d'aide ? J'avais besoin d'aide, mais j'ai dit « Non, ne soucie. » Je suis passé pour un con, et là je me suis souvenu des cours d'entraînement. J'ai pris le vélo, j'ai tourné le bidule, j'ai dévissé les machins, j'ai dégonflé les trucs arrière, j'ai équilibré les paliers avant, souqué les artibus, renforcé les écoutilles. Ça y est, j'étais prêt à repartir, lui aussi. J'étais pas prêt à repartir, mais j'avais un bon coéquipier. On a récupéré une balise, deux balises, trois balises. On a suivi le nord, le sud, l'ouest. On était perdu. On est perdu. On a fait du canoë, j'ai perdu ma pagaie, mais tant mieux, on n'a pas d'image. On a recouru, et il m'a dit, enfin, il a crié. Allez mec, on est presque arrivé, allez ! Et là, je sais pas pourquoi, je me suis écroulé. Plus de force. Putain, pas maintenant ! Heureusement, j'avais prévu la corde. On s'est accroché, il m'a tiré. Les filles nous ont doublé. Bref, j'ai fini le raid des secs. C'est con, à peu de choses près on était premier. Rigole lui.